Je demande à l'Assemblée de bien vouloir se mettre debout pour la première lecture de la parole de Dieu. Je voudrais que l'Assemblée se ponga de pied pour la première lecture de la parole de Dieu. C'est dans le livre Genèse, chapitre 2, verset 18. C'est le livre de Genèse, chapitre 2, versículo 18. L'Éternel Dieu dit. Dios dijo, il n'est pas bon que l'homme soit seul. No es bueno que el hombre esté solo. Je lui ferai une aide semblable à lui. Por eso le haré una ayuda que se parece a él. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Dios creó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Y los trajo al hombre para ver qué nombre el hombre le daría. Afin que tout être vivant porte le nom que celui donnerait l'homme. Para que todo ser vivo tenga el nombre que Adán le da. Et l'homme donna des noms à tous les bétails. Y él le dio nombre a todos los animales. Aux oiseaux du ciel. A las aves del cielo. Y a tous les animaux des champs. Y a todos los animales del campo. Mais pero, pour l'homme, para el hombre, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. De la costilla que tomó del hombre. Il l'amena vers l'homme. Se la trajo a l'homme. Et l'homme dit. Y Adán dijo. Voici. Aquí, cette fois celle qui est os de mes os. Esa es hueso de mis huesos. Et chair de ma chair. Carne de mi carne. On l'appellera femme. Y la llamó mujer. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Porque fue tomada del hombre. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Por eso el hombre dejará. Et s'attachera à sa femme. Se apegará a su mujer. Et deviendront une seule chair. Merci, monsieur. Envoyez à Jésus.